Et bonjour à toutes et à tous, c'est Manchu, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pendant l'épisode sur Tomb Raider 3 de cette remaster édition. On est dans un niveau qui s'intitule le Temple de Punal. Le niveau précédent pour moi c'est officiellement le pire niveau que j'ai eu à faire de tous les Tomb Raider confondus là pour le coup. Les gorges de Madoubou, donc c'était un niveau en kayak horrible. Vraiment c'était vraiment de la merde. Ni plus ni moins que ce soit niveau gameplay, que ce soit énervement, même les ennemis, enfin même quand la rade de sortir du kayak, là le crocodile se met toujours dans un angle improbable pour te mordre. Enfin ouais, insupportable, tu prends tout le temps des coups. Et là j'ai commencé le niveau, bon on le verra pas, mais je me suis fait attaquer par deux indigènes directement, cash, à la fin de la précédente vidéo, du coup je les ai butés et j'ai repris là, hein, voilà. Donc on va découvrir un peu ce niveau. Je ne sais pas ce qu'il cache. Oh putain, la grosse boule là! Mon dieu! Allez, on va voir si on meurt ou pas. Non, on meurt pas. Bon, bah très bien. Allez, on continue. Bon, bah ça laisse pas beaucoup de choix. Hein. Va falloir aller là du côté des indigènes, quoi. Par contre, ouais, du coup, je suis équipé du Desert Eagle. On va peut-être... Ouais, je vais prendre le canoncier contre eux, là. Vas-y, fuck. Truc qui tire des balles nerf, là. Ah, bonjour. Regardez, regardez les balles en mousse qui tirent. C'est cool, hein. J'ai tiré au moins 6 balles pour tuer un mec, quoi. Qu'est-ce qu'on rigole, hein. Ah, putain. Bruit pas. Là, je l'ai eu en deux coups. Ouais, ça doit être la distance, là, pour le coup. Alors, donc, au corps à corps, ça va. Bah, c'est le pompe en même temps, hein, vous me direz. Enfin, je vais le garder un petit peu. Ça va être efficace à courte distance, tout du moins. Ok. Il y a quoi, là? Une trousse de soins? C'est quoi cette ça? Oh non, oh putain. Bon allez, on va sauvegarder hein. Quoi ce bordel? Ah, il y a des interrupteurs sur les nez des trucs là. Oh putain. Ouais. Est-ce que je suis safe là? Non. Pas du tout, ah, le truc il m'a carrément scié la gueule. Ok. Parce que là, pour appuyer sur les trucs, ça va être chaud, il va falloir trouver une strat, hein. Sinon, je vais crever, hein. Et si je me mets là, ouais, on voit les failles qui sont un petit peu plus petites que les autres, là. Ah, putain, c'est ça la strat. Ok, d'accord, bon, ça va, on n'aura pas mis trop de temps à trouver. Ouais, bon, ça va. Ça va se faire. Tranquille oubilouf. Hop. Bon, je vais pas tenter le diable, hein, j'ai pas grid. Non, je me suis pas fait toucher. Allez. On a été un peu grid là, mais bon, ça va passer. Enfin, nickel. Putain, il y en avait 4. Ah, mais hey, les mecs, c'est vraiment des bâtards, hein. Je suis sûr que c'est ouvert la porte en bas, là. Putain, je m'en sors bien pour ce début de vidéo, ça change, hein. Ok, bon. Ouais. Yes. On sent de merde. On va sauvegarder. Ça se quoi là? Ouais merde! Et des leviers! Ah bah je suis mort là, j'ai pris beaucoup trop de temps. Il y a plusieurs en plus là. Trois leviers? Une plaisanterie là. Trois leviers ça me semble compliqué par contre, même si j'étais rapide là. Il y a un bloc par contre à tirer. Je l'ai vu hein. Peut-être tester ça plutôt, ça ira peut-être mieux. Ça arrête le truc, ok. Putain, c'était ça qu'il fallait faire, j'hallucine. Ok, bon. Du coup, on va tirer les trois leviers. Oh, le jeu de merde, oh, je vous assure. J'ai l'impression que là, on enchaîne les pièges, c'est une catastrophe.
Du coup, je vais sauvegarder à chaque fin de piège, moi. Ça me semble correct. Un bon ratio. Allez. Non, mais nique ta mère. Sérieux, quoi. Je pensais pas que c'était si haut. Alors, t'es obligé de perdre un peu de vie, quoi. Aïe. Très dur sur la chute. Si j'appuie sur la dalle, là, je crois que ça saute. Je crois que ouais, je vais passer un mauvais quart d'heure, là. Ouais, ça, on l'a vu venir. Oh merde. Oh putain, mais elle arrive à une vitesse. C'est incroyable. Ah, ils ont cramé, hein. Ils ont craqué, les gars, hein. Ah, ça arrivait à une vitesse, la boule, là. Putain, je l'ai pas vu venir, ça. Mon Dieu, fin. Ah, les bâtards, quoi, ils sont revenus. Je suis revenu au début, là, en fait, hein. Ouais, c'est ça. Ok. Les mecs, ils ont repopé à 30, là. Vas-y, ça casse tes couilles, quoi. Donc là, tu peux carrément faire tomber les dalles, là, ouais, fallait vraiment faire gaffe, mais quel merdier, hein. Bon, je vais reprendre le MP5, moi. C'était marrant d'utiliser un peu le pompe, là, mais bon. J'ai pas sauvegardé, je suis un abruti. J'ai tiré, mais ça servait à rien, on va sauvegarder. Il y a un boss, là, hein. Il m'a démonté la gueule. J'avais toute ma vie en plus. Bon, la subtilité, c'est pas mon truc, hein. T'en bats les couilles. Très bien. Allez, ta gueule. Sans tuer Doras. Je sais pas c'est quoi Doras. D'accord. Bon, alors on s'enquête contre les boss, ça règle tous les soucis. Hein. Faudrait juste plus de roquettes. Allez, du coup on a encore une relique. Ça sera plus qu'à aller à Londres en fait. Hein. Eh, mine de rien, on avance bien sur ce jeu. Hein. Je vais sauvegarder ici, moi. Voir ce qu'il a en bas, en fait. Curiosité morbide. Ouais. D'accord, ok. Voilà, j'ai ma réponse. Nice. Je vais juste voir ce qu'il y a en bas, mais j'aimerais prendre la pente, en fait, là. Il y a quoi dans le trou ? Quand tu tombes dans un gouffre sans fond. Ouais, c'est juste par curiosité, hein, voilà. Allez, juste pour petit bonus, quoi, pour voir ce que ça donnait. Allez, pour le petit lézard. Et on finit le niveau en 7 minutes. Ah, c'était rapide, hein. Terminé le chapitre lié au Pacifique Sud. Ok. Il y a un secret, je l'ai pas trouvé, je m'en bats les couilles. Allez, on continue. Il ne reste plus que Londres, les amis. Eh bah, go. Les rues de Londres. Waouh. C'est beau. Ça a été retravaillé parce qu'il faisait nuit avant, c'était dégueulasse, hein. Les quais de la Tamise. Ok, bon les amis, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, si c'est le cas, vous abonner à chaque question. Je vous dis à la prochaine. Salutations.